I now would like to welcome to the lectern His Excellency Mr. Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of Congo. Monsieur le Président François Hollande, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Poursuivant ce mot en ma qualité de Président de la République démocratique du Congo, je m'empresse de vous transmettre les salutations de filles et fils de ce beau et grand pays qui fonde beaucoup d'espoir en l'accord de Paris, dont mon pays s'engage à accélérer la ratification et partant l'entrée en vigueur. La République démocratique du Congo est consciente de la nécessité d'un effort mondial pour inverser les tendances du réchauffement de la planète. En témoignent des engagements ambitieux contenus dans sa contribution prévue, déterminée au niveau national de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030, par rapport au maintien du statu quo. Cela représente un effort considérable pour un pays qui œuvre résolument pour sa reconstruction et son émergence. Par cet effort exceptionnel, qui, dans un partenariat renforcé, mobilise le gouvernement, la société civile et le secteur privé, la République démocratique du Congo entend démontrer sa volonté de soutenir l'effort mondial nécessaire pour maintenir le niveau de la hausse des températures globales en dessous d'un degré et demi Celsius d'ici la fin du siècle et garantir ainsi une vie meilleure aux générations futures. Dans cette perspective, le transfert de technologies, le renforcement des capacités, le financement, la résilience face au changement climatique, ainsi que le développement de sources d'énergie renouvelables sont ses principales priorités, tandis que ces ressources naturelles importantes et variées en font un membre déterminant d'un partenariat mondial contre le réchauffement climatique. La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 100 000 mégawatts, dont le développement est en mesure de subvenir non seulement à ses propres besoins, mais également à ceux de ses voisins et au-delà, induisant la décarbonisation du mix énergétique de la région. Il en est de même de ces immenses étendues forestières de plus de 150 millions d'hectares qui sont une excellente opportunité pour la séquestration du carbone dans le cadre de la réduction des émissions résultant de la déforestation, de la dégradation de forêts. Aussi s'est-elle engagée dans la voie de la gestion durable de ces forêts, sous-tendu par un cadre d'aménagement visant en priorité les forêts de production et avec pour objectif de garantir l'équité sociale et économique ainsi que la satisfaction des besoins légitimes de communautés de base qui demeurent les gardiens naturels de dites forêts. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, face au risque de pression supplémentaire sur le système de production agricole, déjà fragile, l'insécurité alimentaire et le stress hydrique accru, notre devoir à tous est de surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération agissante mutuellement avantageuse.
Ensemble et sans plus attendre, faisons preuve de responsabilité. Respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous. Il en va de l'avenir même de l'humanité. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. I thank His Excellency President of TLC for his statement.